Bonjour et bienvenue pour ce deuxième, troisième live de Zelda. Si vous regardez actuellement les VOD, vous avez loupé 3 heures de jeu Zelda parce que j'ai perdu la VOD. Voilà, j'ai supprimé sans faire exprès. Du coup, la deuxième VOD est finie, nous sommes officiellement à la troisième. Nous sommes ici, nous sommes au village d'Elmite et on avait parlé aux gens là-dedans. On va retourner leur parler parce que je ne sais plus ce qu'on s'est dit. Voilà, ça fait trop longtemps, ça doit faire 2 mois qu'on n'a pas joué à Zelda. Donc voilà. J'ai pas joué au jeu donc pas de risque. Eh bah très bien, moi vous serez pas mort. Alors, excuse-moi, tu es qui? Hé, je suis grillé, zut alors. T'es surprise, pas vrai? Bon, ouais, c'est moi le chef du laboratoire antique d'Elmite. D'Elmite. Oui, Stiti. Alors Link, c'était comment le sommeil de la renaissance? T'as fait de jolis rêves? En tout cas, t'as pas changé d'un poil en 100 ans. C'est fou quand même, hein? Pas une seule ride. Et tu te sens comment depuis ton réveil? Pas trop rouillé? Ah, j'avais oublié que ça faisait mal à la gorge. Par contre, là, il n'y a pas de voix, c'est... je vais pas donner de voix pour l'instant, elle, hein. Bah, si t'as pu venir jusqu'ici, c'est que tu dois pas te sentir trop mal, hein. Oh, bah oui. Alors, du coup, vous avez pas eu la deuxième beauté, mais on avait extrêmement galéré à venir jusqu'ici. Parce qu'il nous était arrivé 10 000 trucs. Hé, hey, qu'est-ce qui va pas? T'as l'air tout bizarre. Attends, ne me dis pas que tu sais pas qui je suis. Tu te souviens de moi, hein. Là, non, là, vraiment pas du tout. Quoi? Waouh, le choc, c'est trop triste. Je m'en remettrai jamais. Il y a 100 ans, le fléau Ganon t'a mis une sacrée raclée. Bah super. En tout cas, elle me soutient de ouf. C'est trop bien, quoi. T'as mis une sacrée raclée. Alors, on t'a amené au sanctuaire de la Renaissance. Et puis, on t'a plongé dans un profond sommeil. Le sommeil de la Renaissance. C'était quelque chose. Je te raconte pas. Je m'y attendais. Après avoir été plongé pendant 100 ans dans le sommeil de la Renaissance, le sujet est devenu amnésique. Ou fait bien semblant, en tout cas. C'est noté. Désolé, je prends tout le temps des notes je suis pas concentré. Désolé, je prends tout le temps des notes déformation professionnelle. C'est pas du tout le bon ton. C'est pas du tout le bon ton. Pourquoi tu n'as pas récupéré la map? Bah parce que je sais pas où elle est la map. Pourquoi tu poses des questions comme ça? Tu as peut-être envie de me poser des questions. T'es une gamine. Ah, c'est vrai qu'on dirait une enfant. Mais après moi ça m'étonne pas, les trucs japonais c'est souvent des toutes petites... Bon. Hé hey, mais gamin toi-même. Ouais, ok, c'est une gamine. Bon, t'as pas tort. En fait, c'est juste une expérience qui est un peu ratée ou un peu trop réussie. Ça dépend du point de vue. J'ai tout noté dans mon journal en haut. Mais t'as pas intérêt à aller le lire, t'as compris? Ça serait trop la honte. Laisse tomber. Revenons plutôt à nos moutons. Te revoilà enfin, après 100 ans. Mais elle me lâche jamais ou quoi? Hé, hey, c'est qui va terrasser le terrible Ganon qui récupère peu à peu ses forces? C'est toi. Mais laisse-moi tranquille. Et qui c'est qui va ainsi retrouver notre princesse Zelda? C'est encore toi. Ferme ta gueule, vraiment tais-toi. Alors moi, je vais remettre sur la tablette Sheikah ses modules de base manquants. C'est le plan, non? Carrément. Bonne réponse, c'est exactement ce que je voulais entendre. Alors, tu vas te rendre un tout petit service. Tu vas me rendre un tout petit service. Elle parle beaucoup. Pourquoi tu me regardes comme ça? Y a un problème? Dis donc, tu croyais quand même pas que j'allais te préparer ta tablette Sheikah gratuitement? Très bien, je vois. Le sommeil de la Renaissance a rendu le sujet plus insolent. J'en prends bonne note. Passons! T'as vu le fourneau dehors? Et t'as vu qu'il était éteint? Dis-toi qui... Dis, tu... J'arrive plus à lire. J'ai reçu une notif de toi que tu fais un live de The Last of Us. Ah, bah non, pas non, bah pas vraiment. Dis, tu veux pas allumer notre fourneau avec les flammes bleues du fourneau antique? Allez, sois pas vache! Ça remettra mon adorable pierre guide en marche et comme ça je pourrai réactiver les modules de base qu'il te manque. Et moi, je pourrais bien m'amuser. Je compte sur toi pour la flamme bleue. Ok. Du coup, attendez. Ça, c'est toutes les missions qu'on a. La créature divine. Daruk de la tribu Goron. Ah mais attendez, il y avait des trucs que je savais même pas. Ah oui, c'est Impa qui nous avait donné des missions. Ah ouais. Ok, on va faire ça là. Lui, je sais plus, on lui avait parlé, mais on s'en bat les couilles. C'est son élève, je crois, ou un truc comme ça. Ok, c'est parti, allons-y. Allons chercher la flamme bleue. J'ai été ban pendant 3 minutes. Moi aussi, moi aussi. Ah, bah rip, hein. C'est que vous avez fait une bêtise. Let's go. Ah. Wouh, on a failli mourir, je me rappelle plus des touches. Bonjour à ceux qui arrivent. Ok. Je me rappelle tellement plus des touches.
Je me rappelle plus des recettes, je me rappelle plus du tout de ce qu'on avait fait, c'est horrible. C'est horrible. Ah non, fais pas ça, frère. Oh, la musique, par contre, j'avais oublié qu'elle était si bonne. Oh, trop bien, des vaches! Il est trop mignon, ce toutou! Bonjour! Et hey, hop! Hey, salut! T'es un voyageur, toi! Oh, je vois! Tu m'as l'air d'être un sacré débrouillard, mon garçon! Ça te dirait de rendre un service à la communauté? Allez, c'est parti, hein. Ah, bah ça, c'est sympa! Merci, t'es un brave garçon! Écoute-moi bien! Ce que je voudrais, c'est que tu chasses les cerfs de la forêt Présette, et pas ailleurs, hein! Pour tout te dire, leur nombre a pas mal augmenté ces derniers temps, et ils font de sacrés dégâts sur les jeunes arbres. Il faudrait donc réguler leur nombre, me regarde pas comme ça! Ah merde! Il faudrait donc réguler leur nombre, me regarde pas comme ça, hein! Moi aussi, ça me fait mal au cœur! Mais rien sera gâché! On va même pouvoir faire des grosses provisions pour cet hiver! Paraît qu'elle sera rude. Alors, est-ce que tu pourrais chasser un maximum de cerfs, disons en une minute? Ah, mais c'est un mini-jeu. Oh, merde. Oh. Merci. Tu peux commencer tout de suite? Ok. Oh non, mais je sais plus jouer. Oh non, pas ça. Ça va être horrible. C'est le moment pour commencer la chasse aux cerfs. Je t'appellerai quand une... Une minute sera écoulée. Ah oui, d'accord, je vais le... Oh non, je suis gros, je suis un naze. J'ai plus de goût. Ah mais je suis nul. Eh hey, les cerfs, venez, arrêtez. Attendez, je me rappelle plus des touches. Je sais plus comment on prend l'arc. Merci beaucoup, Dimi Vincent. Oh non, le pauvre. Oh, elle est belle cette fleur. Oh, c'est un radis. Bon bah tant pis, hein, va péter. Hein. Ah oui, d'accord. J'ai lancé une grenade, clairement. Je suis de retour, merci Sony officiel. C'est fini, reviens. Oh non, il y avait un beefsteak par terre. Putain, j'avais pas assez de flèches en fait pour faire un truc bien quoi. Tu as chassé 3 cerfs. Merci bien. Tiens, voilà ta récompense. Oh non, mais tout ça pour un rubis. Oh, je suis abattu. Oh, je suis dégoûté. T'es une belle vache toi. C'est un taureau. Putain, le jeu est vraiment magnifique. Hein. Y a pas à dire. Hein. Bon, continuons. Allons à notre mission là. Non mais c'est parce que j'ai pas chassé assez de cerfs, je pense. Ok, la flamme bleue est en bas. Ah mais on avait pas un cheval, il est où notre cheval? Ton butin est équivalent à ton score. Bah ouais, j'ai bien compris que t'es nul en jeu, mais je te kiffe. Merci mec, après toi t'es pas très cool, donc moi je te kiffe un peu moins quoi. Il me faut un bâton. C'est parti. Ok, là-bas. Et là, il va falloir qu'on monte jusqu'en haut de la montagne, hein, comme ça. Hein. Ah putain, après on visitera le village, parce que ça on l'a pas fait. Et j'aime bien visiter les villages. Par là-bas. Salut Chris, ça va? C'est quoi le but du jeu? Oh, quelqu'un peut expliquer le but de Zelda?
Oh, les musiques, par contre, on dirait des musiques de Ghibli, j'ai envie d'en regarder, là. C'est incroyable. J'ai cru qu'il était tout nu, cet enfant. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une flamme. Attends, par contre, il est où, le truc, du coup, là? C'est où qu'on va, après? Bon, attends, on va avancer, on verra bien. Il y a du monde! What the fuck? Oh non! Ah putain, elle était là, ok. Par contre, on a presque plus de bois, quoi. Tu vas faire du jeu à 100%? Non, je pense pas. Enfin, je pense qu'il y a des trucs que je ferais dans mon coin tout seul, mais je peux brûler ça? Ah non, merde. Ah si! Oh, c'est le feu. Ah oui, c'est une façon de le dire. Je peux le dire du coup, mais. Pardon, cassez-vous les mioches! Il est où le truc là? Il est si loin que ça? Allez, on y va. J'espère qu'il va tenir parce que là c'est mon dernier bout de bois. Hein. Je viens de brûler là vraiment? Est-ce que j'ai brûlé là? Par quelle créature divine vas-tu commencer? Je sais pas de quoi vous me parlez! Je commence le jeu, pourquoi vous me parlez? De trucs dont je suis même pas au courant! Merde, je sais plus par où c'est après. Oh bah non, on a plus de bois. Oh merde, c'était là-bas. Merde, faut qu'on trouve du bois. Ah bah j'ai ça. Bon, c'est notre dernier bout de bois. Allez hop, c'est parti! Putain, y'a masse de monde. Putain, mais c'est si loin en fait! On n'aura jamais assez de bois. Prends le tabouret du vieux. Ouais, pourquoi pas, mais je doute que ce... J'ai l'impression qu'il va pleuvoir et ça m'inquiète. On peut courir? Oh merde, on pouvait pas courir. Hein. Faut vraiment qu'on augmente notre endurance par contre, parce que c'est vraiment horrible. Tu prends une hache et tu coupes un petit arbre. Oui, je sais bien, mais bon. T'avais une torche à l'entrée, non? Je suis pas sûr. Il me semble qu'il y a des torches au labo. Ah, peut-être. Peut-être qu'au labo, il y en a, ouais. J'espère qu'elle va tenir jusqu'en haut. Allez, 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 on y est presque. C'est pas le moment de me lâcher. On aura fait tout ça tout seul. Allez. Je sais pas où est-ce qu'on met le feu. Ah bah c'était là. L'état de tes cheveux. Bah ça va. Ils sont très bien. On croit en toi. Bah ouais. Ouais. Hop là. Bonjour. Coucou toi. Link, t'es trop fort, regarde par là. Regarde, regarde, la pierre guide s'est mise en marché. Enfin, tout a l'air parfaitement de fonctionner. Ma petite pierre guide chérie, mon adorable petite guide, elle vit. Le moment tant attendu est arrivé. Réactivons les modules de base qui manquent à ta tablette Sheikah. Il va falloir me faire un magnifique Whistiti, je t'écoute. J'ai changé d'avis. Trop bien. Whistiti. Me dis pas que tu veux pas faire mieux que ça. Tant pis. Merci pour tes 100 et pas du tout, tes 5 bits. C'est parti mon kiki. Resterons ta tablette Sheikah. Déverrouillage de la tablette. On lui a pas donné de voix vraiment à elle. On devrait lui donner une voix quand même. Mais je sais pas trop quoi lui faire comme voix. Ah, on n'avait pas donné une voix à la tablette. Attendez. On va essayer de donner une voix à la tablette. Je crois qu'on avait donné un truc. C'était peut-être ça. Allô? Allô? Non, c'était pas ça? C'était quoi? Merde, attendez.
Allô? C'était... C'était... Non, ça, c'était pas ça. C'était ça. Ça? Allô? Non. Ça? C'était ça? Non. Merde, qu'est-ce que c'était? C'était ça, je crois. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça. Attendez. Hein. C'était... Non. Ça? Non. Ça? Ça devait pas être ça comme voix, je pense, parce que c'était claqué au sol. J'ai peur. Merci beaucoup, Asia. Ok, c'est parti. Oh ouais, c'est l'appareil photo, qu'est-ce qu'on s'en branle. Fige une scène réelle et change en image. La photographie prise... Attends. Les photographies prises sont rangées dans l'album. Chaque fois qu'un nouvel élément est photographié, l'entrée correspondante à des modules ont été rajoutés. Ah, c'est des endroits à prendre en photo ou c'est déjà des photos qu'on a? Détecteur Sheikah. Vous pouvez désormais utiliser le détecteur Sheikah. Le détecteur réagit lorsque vous approchez d'un sanctuaire auquel vous n'avez pas encore accédé, lorsque vous remarquez que la réaction s'intensifie, poursuivez dans cette direction pour arriver au sanctuaire. Ok. Restauration terminée. Yeah! C'est ultra génial! Alors, tout s'est bien réactivé? Bon, alors, voyons voir. Appareil photo, ok. Encyclopédie, ok. Album, ok. Détecteur Sheikah, ok. Super, c'est tout bon! Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Si tu veux pas essayer de me prendre en photo avec... Tu veux pas essayer de me prendre en photo avec ton appareil? Et surtout, montre-moi la photo après, hein. Allez, ça sera drôle. Ouais, qu'est-ce qu'on se marre? Alors, attends. Je vais te donner un coup de... de bûche avant dans ta gueule. Alors, attends, bouge pas de là. Je sais pas les touches, par contre. Ah, what the fuck? Oui, Stitty! Aïe! Tu as pris une photo de moi avec l'appareil? J'espère pour toi! Ah, super! Allez, montre, montre! Tiens, regarde ta gueule! Hein? C'est qui ce canon là? Oh, mais ça, elle est insupportable! Waouh, quoi? C'est moi! Désolé, ça m'a un peu surprise. Il y a d'autres photos dans ton album, t'as vu? C'est des photos de paysages. Je sais que la princesse Zelda avait l'habitude de se servir de l'appareil photo. Dis, t'étais bien son chevalier servant, non? Alors, tu devrais sûrement... Tu devrais sûrement être avec elle quand elle a pris ses photos, hein? Ah, j'oubliais un tout petit détail. Tu as perdu la mémoire. Mais, si ça se trouve, ces photos pourraient justement t'aider à la retrouver. Bon, tu sais quoi? Tu ferais mieux d'aller en parler à Impa. Elle est bien mieux renseignée que moi sur la princesse. Ah, j'ai encore un service à te demander. Une fois que tu auras rendu visite à Impa, ce serait trop super si tu pouvais chercher des matériaux antiques. Tu pourrais me les apporter à moi ou à Farah, au laboratoire antique d'Ankala. Je sais pas comment ça se prononce. On te donnera des trucs sympas en échange. Ok, chalut. Oh non, chalut quoi, mais nique ta mère. Ah, mais elle mène nulle part cette échelle. Déployer des pouvoirs. Ok, mais ça c'est dans les... Ah oui, c'est toutes les quêtes annexes quoi. Ça c'est des petits trucs qu'on fera... Je pense qu'on fera un live spécial quête annexe, mais pour l'instant on va pas le faire quoi. Ok, bah on va aller voir, on va retourner voir Impa du coup. Je pense que ça peut être cool. Oh. Une O. Une OU. Salut Chrisou. Salut Crum, comment ça va? On va retourner voir Impa. Champi piment, yes ça. En fait j'aimerais bien avoir une épée.
Mais la neutre elle va se casser quoi. Oh. On va casser ces arbres. Allez hop. Ah mais ça donne rien. Ah si, des sauterelles. Oh, oh ouais. Alors ça. Korogu tout en haut. Ah bon. Hop là, une petite branche d'arbre au cas où. Oh, y a un sanctuaire là-bas. Le sanctuaire, ça va casser la tête. Hein. Alors, je vous le dis, je suis pas forcément prêt. Hein. Oh, mais en fait, il y a des portes là. Tu continueras The Last of Us? Oui, oui, mais point. En vrai, je vais pas vous mentir, The Last of Us, pour l'instant, je le trouve un peu chiant. Mais vous allez me détester, mais... en vrai, je le trouve un chouïa chiant, quoi. Mais il a rien dans cette merde. C'est juste une chambre. Ah, c'est le livre dont on parlait tout à l'heure. Rapport de développement du module antique cure de jouvence. Top secret. Pruda. Pruda. T'as beaucoup avancé dans l'histoire. En vrai, on est au début. Tu feras quand la saison 4 de The Walking Dead? Début août. On reprend tout début août là. Là, ça va. Là, on va reprendre un rythme normal et régulier au niveau des streams, au niveau de tout. Donc voilà. Jour X, mois X. J'ai commencé à développer un tout nouveau module. Cure de jouvence. Si tout se passe comme prévu, je pourrai inverser les processus de vieillissement d'un grand nombre d'espèces. Et si j'arrive à le perfectionner, nous pourrons rajeunir les vétérans de l'armée d'Hyrule et ainsi la renforcer. Ainsi, quand Ganon ressuscitera, nous serons capables de lui opposer une résistance digne de ce nom. Nous pourrions aussi en profiter pour augmenter la main-d'œuvre. J'ai vraiment espoir de pouvoir utiliser ce module en faveur de la paix. Jour X. Jour Y. Mois Y. La version bêta du nouveau module cure de jouvence est enfin prête. Si je l'ai tout de suite installé sur la tablette Sheikah, que j'ai fabriquée et me suis porté volontaire pour la tester. Lecture 0. 0. Vingt secondes après l'activation du module, par Canel. J'ai commencé à me sentir fatiguée et fiévreuse. On a immédiatement interrompu l'expérience, mais depuis, je ne fais que somnoler. Aujourd'hui, je vais me coucher tôt, et demain je rentre, je reprendrai l'analyse de l'expérience. Cure de jouvence, jour 2. Je me sens moins fatigué qu'hier. Ma chevelure a poussé jusqu'à atteindre le sol, et les rides qui creusaient mon visage ont presque disparu. J'ai donc correctement installé le module, mais j'étais loin d'imaginer l'effet rajeunissant serait... Ah merde. Mais j'étais loin d'imaginer que l'effet rajeunissant serait aussi rapide. J'ai tiré Canel du lit pour qu'il m'examine. Taille, poids, vue, électrocardiogramme, analyse sanguine, ostéodensitométrie. Bah dis donc, mais toujours plus les mots là. On a fait tous les examens disponibles dans ce laboratoire. Les résultats que j'ai obtenus correspondent à ceux d'une Sheikah de 50 ans. Autrement dit, en une nuit, j'ai rajeuni de plus de 70 ans. Espérons que demain, je ne me réveille pas à l'état d'un fœtus. Cure de jouvence, troisième jour. Je me suis réveillé débordant d'énergie. Cela faisait des décennies que je n'avais pas aussi bien dormi. Je suis immédiatement allé me regarder dans le miroir et le visage que j'y ai vu était tellement plus jeune. Le résultat des analyses menées par Canel correspond désormais à ceux d'une Sheikah d'environ 30 ans. C'est l'âge auquel j'ai enfin pu reprendre mes recherches après le grand fléau qui a dévasté notre monde. À cette époque, j'avais aussi commencé à chercher un moyen d'améliorer les modules comme le détecteur Sheikah. Mais ce n'est que vers mes 80 ans que mes recherches ont porté leurs fruits. Quoi qu'il en soit, je compte bien confier ces extensions à l'épéiste talentueux quand il se réveillera. Et alors il pourra venir à bout du fléau qui ingurgitait la princesse Zelda. Je l'espère sincèrement. Pourquoi tu... C'est un test pour la dyslexie ce texte? Non mais c'est horrible. En plus, moi je sais pas lire donc c'est chiant quoi. Cure de jouvence, quatrième jour. Mais attends, mais ça a duré combien de temps cette merde? Dès mon réveil, nous avons effectué de nouveaux examens. Le résultat correspond maintenant à ceux d'un Sheikah de 20 ans. C'est tout bonnement incroyable, mais je reconnais celle que j'étais il y a 100 ans. Celle que j'étais lors du grand fléau.
Ganon. Il n'avait apparemment montré aucun signe de vie pendant près de 10 000 ans. Il semblerait qu'il ait mis à profit cette longue période pour accumuler une quantité d'énergie inouïe. Il l'aurait ensuite complètement libéré, il y a 100 ans de cela. Les ravages et le massacre impitoyable qu'il a perpétré. Je refuse encore de me remémorer le château d'Hyrule, la princesse Zelda. Nous avons tout perdu. Non. En fait, pas vraiment tout. Un jeune garçon, au corps meurtri, m'a amené ici, il y a 100 ans. Il s'agissait de Link. Link. Jamais au château d'Hyrule on avait vu un élément aussi jeune s'élever aussi rapidement dans la hiérarchie, jusqu'à rejoindre la garde rapprochée de la princesse. Alors quand je l'ai vu dans cet état, je me suis rendu compte que même lui ne pouvait rien contre Ganon. Depuis des temps anciens, les savants Sheikah sont intimement liés aux membres de la famille royale. Alors nous avons suivi les instructions de la princesse à la lettre, l'abandonnant à son sort. Nous transportâmes le jeune épéiste et la tablette Sheikah qu'elle vous a laissée au sanctuaire de la Renaissance. Sans même avoir eu le temps de procéder à un test clinique approfondi je plongeais l'épéiste dans le sommeil de la Renaissance. Page suivante, non. Ah, on va arrêter de lire. Pour l'instant, on arrête. On reviendra lire un autre jour. Hein. Ouh, elle m'a cassé la tête, eh. Ganon, c'est le... La dyslexie est présente. Non, mais c'est horrible. Ganon, c'est le méchant. J'ai vu des gens qui ne savaient pas qui c'était Ganon. C'est le méchant. Tout simplement. Il y a plein de trucs en bas, là. J'ai envie d'aller voir. Ah, mais d'après mes souvenirs, la plage, elle est hyper dangereuse. On va pas aller à la plage en fait. Je crois qu'on n'a pas la force là d'aller à la plage. C'est dangereux. Ok, on va aller à Cocorico. Je suis sûr qu'il n'y a jamais eu de petite fille Sheikah là-bas. Alors, c'est Pharo. Tu l'as vu la petite fille Sheikah? Rien de suspect par ici. De quoi il parle? Bizarre. J'ai tout le temps envie de monter en haut de ces arbres, je me dis qu'il y a des trucs forcément, mais bon. C'est Pharo, c'est vraiment un nom éclaté, c'est Pharo. Alors, il y a des gens ici ou pas là? Arf. Je vais dormir, à demain. Ok, bah bonne nuit frérot. Oh, c'est trop bien les petits villages là comme ça là. Oh, incroyable. Bonjour madame. Bonsoir. Je sais pas faire les voix des vieilles. Bonsoir jeune homme. Oh, tu es de passage dans notre village. C'est bien ce que je me disais. Depuis que la paix règne à nouveau sur le village, la vie y est agréable et très prospère. La paix? Eh oui. Mais il faut bien dire que la vie n'a pas toujours été idéale dans ces contrées. Quand j'étais petite fille, aucune des terres de la région n'était en état d'être cultivée. Loin à l'ouest, le château et la citadelle d'Hyrule avaient été ravagés avec les habitants décimés lors du grand fléau. C'est le nom que donnent les anciens à cette atrocité, mais aucun mot ne peut rendre l'horreur de ce jour maudit. Pourquoi tu as un radar Wi-Fi ? C'est les trucs qui permettent de savoir où sont les temples. Enfin, les petits sanctuaires, quoi. Bonjour, vous vendez quoi, ici? Oh non, c'est l'auberge de jeunesse, au revoir. Non, mais je vais pas dormir. Quoique, ça me ferait du bien de dormir, mais je vais pas dormir. On mangera des pommes. Non, je voulais voir s'ils vendaient des fringues, j'adore les fringues. J'adore les fringues, mais j'ai l'impression que c'est pas ici, quoi. Mais par contre, je suis dégoûté, on avait un cheval, il a disparu, quoi. Ça fout la haine. Il y a du feu, là. Comment ça, il y a rien dans les vases, on est où, là? Bonjour! Oh, mais c'est une sacrée maison que vous avez, là. Bon, bah, il y a rien. Salut aux nouveaux. Bonsoir, les nouveaux, comment ça va? Il est que 18h, oh là là, ça va.
Ah mais c'est lui qui va dormir. Ah il va faire nuit hein. Je crois que les magasins c'est fermé hein. Ah ça doit être là le tissu. Ah non c'est un truc de ménage ici. Ah c'est pour teindre ses vêtements. Ah oui je me rappelle on peut teindre ses vêtements. Mais c'est incroyable ça par contre. Ah bah elle est là-bas la boutique de fringues. Oh on va le voler le cheval. Je sais pas à qui c'est mais maintenant il est à moi. Sif pour le cheval. Mais on en a pas un nous. Ah mais c'est les deux tenues qu'on a déjà en fait. C'est... Ah mais je crois qu'on l'avait déjà vu en fait. C'est les tenues qu'on a déjà. Celle-là elle est stylée je crois que je me rappelle. Je crois que je l'avais déjà acheté la première fois que j'avais commencé le jeu. Elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal. Mais on va garder Ah quoique. En vrai je préfère à la rouge je crois. Attends 3-3. Et en plus elle est anti-froid. Attendez ça se trouve on l'a déjà en fait. Ça se trouve on l'a totalement déjà. Ah mais oui on l'a déjà. Pourquoi on a mis la rouge alors? C'est que je trouvais la rouge plus stylée ça. Je peux te donner un conseil très peu important. Vas-y. En vert en fait ça me fait plus penser aux anciens Link. Oh bah il dort lui, on va pas le déranger. Au revoir. C'est juste un emplacement de Korogu à côté, rien de spécial. Ah oui mais au pire les Korogu en vrai nique sa mère pour l'instant. Je m'en bats un peu la race quoi. C'est parti, allons-y. Allez, on s'en va, on retourne à Cocorico. Oh, mais c'était si loin, je crois, Cocorico. Putain, mais c'est trop chiant, il en fait qu'à sa tête. Oh, il est amoureux de moi, c'est bon. Qu'est-ce qu'il branle, là? Il s'est vraiment bloqué, ce débile. Je viens de voir que t'étais certifié, c'est trop cool que c'est enfin arrivé. Yes. Ça, je vous le cache pas que c'est vrai que c'est cool. Eh hey, oh, c'est toi? Je sais pas de quoi vous parlez, mais au revoir. Hein. Vous me faites peur. Hein. Allez, on retourne à Cocorico, c'est parti. Ah, mais il veut pas galoper, en fait. Ah, c'est bon. Au secours. Vite! C'est bon, je vous protège! Oh non, allez, au secours! Eh hey, toi, attrape ça. Oh. Ça va? Ça aurait pu mal tourner. Oh, j'ai foutu le feu à la forêt, mais c'est bon, c'est vrai. Tiens, c'est pour te remercier. Oh, un ragoût de citrouille. Oh non, mais merci, madame. Allez, pas le temps de bailler aux corneilles. Il faut vite retrouver des truffes, Max. Ah ouais, toi tu utilises des mots que je connais pas. Bonjour. Nous étions en train de chercher des champignons quand soudain ces monstres nous ont attaqué. Tout ça c'est la faute de ma sœur. Elle refuse qu'on rentre tant que nous n'aurons pas trouvé des truffes Max. Ok, bah bon courage à vous. Je peux attraper les lucioles? Ouais, je peux. Tu en es où dans le jeu? Je suis au début. Oh, il est où mon cheval? Allez mon petit gars, on y va. D'avoir plus d'endurance qu'on puisse choper un cheval beaucoup plus stylé que lui parce que là, ça craint. Ouais, moi cette merde, t'as plus de vie, c'est vrai. C'est vrai que j'ai plus de vie, mais j'ai un ragoût donc c'est pas très grave. Pourquoi mon message a été supprimé? Si vos messages sont supprimés, c'est que c'est soit vous me donnez trop de conseils alors que j'en ai pas demandé, du coup arrêtez de faire ça, soit vous vous spoilez. Ok, allons par là. Oh, il y a un cheval là. Mais il y avait un cheval, il a disparu. C'est quoi ça? C'est quoi ce monstre? On va l'affronter. Ça va rien changer. Comment ça, ça va rien changer? Mais c'est pour aller plus vite. Mais je vous demande pas d'aller plus vite. Est-ce que vous, quand vous avez joué au jeu, il y avait un connard à côté de vous qui dit « Eh, va là-bas, eh, ça là-bas, il y a ça, ça. » Non. Vous faisiez votre jeu et vous fermiez là. Donc c'est pareil.
Je demande pas à aller plus vite, moi. Allez hop, on enchaîne les pommes et on part à la bagarre. Hé, hey, vous là! Ok, 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 ok. Oh oui, il a des flèches, lui. Ah merde, j'ai plus de... Mon comportement arc est plein. En fait, c'est des flèches qu'il me faut, moi. Oh. Il y a forcément un petit trésor dans le coin, là. Mais quoi, il est super solide, lui. Oh oh. Merde. Oh, il est fort, lui. Il est solide comme un roc. Déjà, toi, t'as plus d'armes. Oh, il est beau, son bouclier. Viens là. Comment t'es au début du jeu. Ok, il y a forcément un petit trésor dans le coin là. Bon, il y a des boucliers en bois, c'est pas la folie, mais bon. C'est où le truc des boucliers déjà? Ça, j'aimerais bien qu'on le dégage. Oh ouais, une épée, alors ça c'est le feu. Oh non, pas encore. Des boiseaux de riz. Mais j'ai pas le temps. Mais ils sont combien? Ouah, il m'a acheté. Oh là là. Il m'a défoncé. Allumé, éclaté, au sol, bam, comme ça. Oh non, on recommence de si loin. Oh non, je suis dégoûté par contre. Tiens, meurs. Tué par une feuille. Qui c'est qui me lâche le ragoût là? Un pain au froment, mais en deux mieux tant mieux cette histoire. Ah mais c'est l'autre qui me donnait le ragoût, attends viens là. Ah putain, c'est dommage, ils m'ont pas redonné le ragoût. Je préférais carrément le ragoût, moi. Je suis un peu déçu. Let's go. Allons à Cocorico, du coup. On va pas s'arrêter à affronter les gros méchants, là. On va directement aller à Cocorico, ça va être bien. C'est normal que pour le moment, vous comprenez rien, on n'est pas dans la quête principale. Bah, si, mais je me balade, je fais autre chose à côté, quoi. Je fais pas que la quête principale. Enfin, en fait, ça me tue, mais les gens qui jouent à Zelda, mais en fait, vous êtes la pire commu, quoi. Vous êtes trop casse-couilles. Tu peux montrer ta carte? Non, je n'ai pas te montrer ma carte. Ferme-la. Ce qui est horrible, c'est les gens qui ont découvert Zelda dans Breath of the Wild et qui se disent oh, « Il n'y a que la quête principale !» Non, il y a 10 000 trucs à faire à côté. Laissez-moi me balader, laissez-moi faire mes petits bails.
Et on vous a rien demandé, et si vous êtes pas content, mais partez quoi. Allez voir l'Inca, lui aussi joue à Zelda, il y en a sûrement plein d'autres. Vous inquiétez pas. Hein. Oh non, mais les bleus, ils me font peur. Chris, tes vidéos sont cool, mais je me fais ban de ta chaîne Twitch. Bah et gros, c'est peut-être toi le problème. Hein. Si tu te fais ban, c'est qu'il y a un problème. Hein. Ah, il n'y avait pas un espèce de... Ah, mais c'est près de Cocorico, je crois, j'ai l'espèce de cimetière. Je sais pas si je vais dans la bonne direction, mais bon. On verra bien. Ah, c'est quoi là-bas? J'ai envie d'aller voir. Oh, trop beau ce renard. Ah non, c'est ici qu'il y a un espèce de cimetière. Pourquoi lui, il est allumé, lui? Merci pour les 10 bits. Je cherche une logique à ce truc. Attendez, il n'y a pas un truc genre... Merde. Il n'y avait pas... Est-ce que là-dedans, il n'y a pas le cimetière? C'est les pires photos, n'empêche. Ah non, celles-là, elles sont jolies quand même. Ok, il n'y a pas l'espèce de cimetière. Je repars! Je repasserai plus tard! Oh, on est radis! Salut! On t'a rien demandé à toi, casse-toi! Attends, viens là, toi! C'est pas le moment! Oh! Bon, finalement, je vais rester. J'aimerais ne pas tirer de la dynamite dès que je prends un arc. Allez, meurs! Ok, c'est bon, tout le monde est mort. Ok. Du coup. Une pomme. On va bien voir ce que ça fait, hein. Casse-toi le cheval là. Ah mais c'est les Korogu. Ah oui, c'est vrai. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Noix Korogu. À la revoyure. Ah c'est tout. Ah bah yes. Oh non mais c'est le pire cheval. Comment on va l'enlever de là là? Comment? Mais qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi il est venu là, ce débilos? Mais c'est pas possible. On a un cheval complètement con! Allez, 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 allez. Allez, on essaie de débugger, mon pote. Allez, fais un effort. Marche arrière là. Putain de sa mère. Allez mon pote. Vas-y. Oh, les statues sont plus allumées. Ok, c'est allumé que la nuit. Ok, très bien. Bah, je repasserai et j'éluciderai ce mystère. Mon cheval, il est là. Arrêtez de me dire de siffler. Quand je siffle, ça fait absolument rien. Hop là. Allez, mon pote, on y va.
on est copains, mec. Rappelle-toi, on est copains. Copains. Nous sommes copains, mon pote. Oh, il y a du radis, mais les radis, on dirait vraiment des fleurs, hein, par contre. Hein. C'est pas un très un gros galopeur. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Il faut l'enregistrer dans un relais. Mais j'ai pas envie d'enregistrer ce cheval de merde. Hein. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il court? Il n'y a que dans la journée que je fais du travail de terrain dans les sanctuaires et les ruines. Comment ça? Pourquoi? Mais à cause des monstres, bien sûr! Ils sortent tous à la nuit tombée. Et ce n'est pas dans mon diplôme d'archéologie qui va me protéger des brutalités bestiales. Ok, frérot. Ah oui, c'est vrai qu'on était venu ici. J'avais oublié, putain, mais il s'était passé plein de choses en fait dans le dernier live. Il est en mode expert? Non. Allez, c'est parti, direction Cocorico. Par contre, faut galoper, sinon on va mourir là. On va mourir! T'as commencé quand? Bon, attendez. En vrai, hein, c'est pas méchant, hein, mais vous êtes casse-couilles. Genre dans le chat, dès que je regarde le chat, je vois message supprimé, machin et des time out, machin. Pourquoi vous êtes si con? Je ne comprendrai jamais. Je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes bête? C'est pas compliqué. Vous ne spoilez pas. Vous me donnez pas de solution. Vous me dites pas, hey, tu vas aller là-bas? Hey, tu vas faire ça quand? Non! Chut! Stop! C'est incroyable! Je commence à me dire qu'on était mieux quand on était 40, quoi. C'est quand même ouf. Oh non, c'était une montagne, je l'avais pas vue. Ce cheval, il est vraiment horrible, par contre. Par contre, c'est si long d'aller à Cocorico. Beaucoup trop compliqué d'aller là-bas. Allez, allez, mon pote. Elle est morte? Oh merde, on a tué l'oie. Alors ça... Bah tant pis, mais... Pont de Cocorico. Oh oui! C'est qu'on s'approche. Ah oui, c'est là qu'on avait vu le gros Korugu, non? Comme ça, je crois. C'est bon, on y est presque. Et du coup, ça se mange une noix, attendez. Oh non, merde, je voulais l'écraser. Je voulais l'écraser pour avoir de la nourriture, quoi. Mais avance, t'es un cheval! T'es censé galoper, là! Il fait tout sauf ça! Ça sert à quoi, les Korugu? Je sais pas, c'est un truc annexe, en vrai, c'est pas dans la... c'est pas important. C'est vraiment si tu veux faire le jeu à 100%. Mais du coup, ça te dérange de te poser des questions? Bah déjà, ta question, elle a aucun sens. Hein. Je fais des efforts, mais là... Tu me poses pas des questions à moi-même. Hein. Viens ici que je t'écrase là. Attends deux secondes. J'avais oublié. Je sais plus ce que ça fait ça. Oh, ce fut si rapide. Tant pis. Allez hop là.
C'est bon, nous sommes arrivés. Hein. Ça, c'est le feu. Hein. Mais pourquoi on avait mis 2 heures l'autre fois? Qu'est-ce qui nous est arrivé à ce point? Reste là, toi. Y a pas une épée dans le coin? Oh, y a une branche d'arbre, génial. Salut Tom, comment ça va? Yo les Gambino. Oh, donc si tu arrives sur les pires lives. Hein. Les lives Zelda, c'est les pires lives ever. Tu pourrais refaire de Super Nanny? Non. Plus jamais Super Nanny, plus jamais ça va se savoir. Ok, c'est bon pour vous, yes. Oh, Tom qui sub pour son 5e mois de sub. Incroyable. Hop là, on va voler les pommes. C'est à moi maintenant. Ah oui, il y a une VF, je crois, pour... Pourquoi t'es pas bon? Ah, c'est pas ça le problème, hein. C'est moi ça va, mais c'est le chat. Genre, t'as loupé le moment où j'ai dit que c'était des connards et qu'ils étaient trop cons et que je comprends pas comment on peut être aussi con sur un live. Ah bah voilà, hein, ça donne une idée. Hein. En fait, c'est les lives Zelda où ils sont en mode... c'est monsieur je sais tout. Et du coup, ils sont en mode... Eh, hey, mais va là-bas. Eh, hey, mais pourquoi tu vas pas là-bas? Eh, hey, mais pourquoi si? Pourquoi ça? Eh, hey, mais attends, mais t'es pas allé là-bas? Non, mais attends, jouez à ma place. Achetez le jeu, mettez-vous sur votre canapé, enlevez mon live, arrêtez de me casser les couilles, allez jouer à ma place. Hein. Vraiment, ça, c'est bien plus simple. Hein. Bonjour. Oh non, je me rappelle plus de la voix qu'on lui avait fait. Ah merde. Attendez, j'ai mal à la gorge. Je me rappelle plus du tout. Ah voilà. On va lui faire une voix de mamie. Et on verra. Oh! J'avais entendu dire que Pruya, t'avais mené la... Attendez, j'ai mal aux yeux, j'aurais dû prendre mes lunettes, c'est horrible. J'avais entendu dire que Pruya t'avait mené la vie dure, mais tu n'as pas l'air si mal en point. L'héritage de Zelda a terminé. Ok. Voyons voir, montre-moi ça. Oh bah ça a l'air incroyable cette photo. Pourtant tout à l'heure j'ai vraiment dit qu'elles étaient moches quoi. Oh, mais ce sont des photos que la princesse Zelda a pris il y a 100 ans. Il y a 100 ans, mais attendez, mais Zelda c'est un vieux papyrus à l'heure actuelle ou comment ça se passe là? Elle est pourrie ta voix de Impa. Bah c'est une vieille dame quoi. Si les lieux qui apparaissent sur ces photos sont des souvenirs de la princesse Zelda, alors il pourrait bien être la clé qui te rendra... Alors il pourrait bien être la clé qui te rendra tes souvenirs. Il faut que tu les trouves. Reviens me voir quand tu auras visité l'un des lieux représentés sur les photos. J'aurai quelque chose pour toi. Des photos, des souvenirs. Ok, mais attendez, mais... au-delà de ça, non, pas ça non plus, c'est là... Il y a les créatures divines aussi, mais vous devez retrouver ces 4 créatures divines, les anciens des 4 peuples, qui pourront peut-être vous aider. Il vous reste 12 endroits à trouver. Ah, c'est dans la quête principale, ces merdes. Est-ce qu'on n'irait pas voir une créature divine, histoire d'avancer un peu quand même? J'ai l'impression qu'on n'avance pas. Je pense. On va aller voir une créature divine. Ah ouais, on a le choix de ouf. Merde, ma carte. Ok, soit on va voir là. Ah, c'est moi qui choisis. Ok, je vais pas vous demander parce que vous savez quel peuple est où, j'imagine. Donc j'ai pas envie que vous me parliez. Donc on va aller, bon en vrai on va aller au plus proche, on va aller là hein. C'est parti, hein, let's go. T'as pas le niveau, Chris. Ah ouais, tu vas voir. Tu vas voir si j'ai pas le niveau. C'est parti. T'as pas du tout le niveau pour. Le truc le plus. Avec 4 cœurs. Qu'est-ce qui vous arrive là? Ça va. C'est mes armes qui sont un peu pourries. J'avoue que là, bon, j'ai une branche d'arbre. Donc c'est pas ouf. Il va tout niquer, vous allez voir flou. Bon, on y va et on verra bien. C'est par là-bas, let's go.
Vous avez pas l'air de me faire beaucoup confiance quand même. Mais on est où là? C'est pas là qu'on avait trouvé notre cheval? Qu'on l'avait perdu? Ah! Oh, je me rappelle de ce que c'est ici. Pas un truc pour moi là? Une épée ou un truc comme ça? Ah bah, il y a une épée rouillée. Bah, yes, on va faire ça. On croit en toi. Bah, merci. Ah merde, je crois qu'il y avait un truc caché derrière les cascades, mais non. J'ai pillé là ou pas? Ah oui, c'est bon, j'ai pillé. Viens ici! Yes, c'est bon. Ok. Alors, normalement, c'est celle qui est en face? Ah non, c'est l'autre, c'est là-bas. Ok, c'est parti. Faudrait qu'on fasse 2-3 temples, hein, quand même, parce que... parce que on a vraiment, par contre... on en a pas fait beaucoup, quoi. Je pense que j'en ferai dans mon coin, et comme ça, c'est pas chiant en live. El Génito. Bah ouais, El Génito, là. Vous avez oublié... Eh, vous oubliez trop vite, hein. Vous oubliez trop vite, hein, ce qu'on a vécu, hein. Je suis pas le dernier des cons, hein. Comment ça, j'ai pas le niveau? Tu vas voir si j'ai pas le niveau. Ah, oh, ils me font trop peur, les monstres, là-bas, là. Ça, j'aime pas du tout. Ah, mais ils bougent. Oh, quelle angoisse. Eh, attends, il y a une photo qui a été prise ici, non? Espèce de marais, là. J'ai l'impression qu'on est là, mais... Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Viens là, viens là, viens. Fais pas le malin, fais pas le malin avec moi, viens ici. Viens ici. Mais viens là. Satanée biche. Bouc, je sais pas ce que c'est. La chasse. Ça m'a saoulé. Et toi là? C'est quoi ça? Pourquoi il y a du vent tout d'un coup? Alors, ça fait bobo le feu? Et voilà, elle est morte. Oh non. Il y en a une autre qui arrive. Ah, je peux pas apprendre. Attendez. Faut qu'on jette 2-3 trucs. Genre le bras de squelette, par exemple. Eh, hey, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous voulez vous battre? Vas-y, viens te battre. Regardez-moi ça si j'ai pas le niveau. Alors? T'as 0 flèche, t'es un malade. Je sais pas où est-ce qu'on les trouve. J'en ai pas trouvé pour l'instant. Je vous avoue que j'en ai pas trouvé, quoi. Tuto comment chasser par Chris. J'aime pas trop ces marais là. J'aimerais bien aller à la tour là-bas là. Qu'elle devienne mienne. C'est quoi ce gros balourd? Bonjour. Je pensais que c'était un mec sympa. Ah oh non, putain de sa mère.
Tu n'avais pas de niveau. Tu es officiellement débile. Mais non! C'est-à-dire que lui, il me touche, je suis mort instant. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Tu vas voir si j'ai pas de niveau. Lève-toi! Inox. Ah! Attention! Link! Oh non! J'ai pas le niveau. En vrai, j'ai trop envie de le battre juste pour vous faire fermer vos gueules, mais il me faut des flèches en fait. Si j'avais des flèches, je pourrais le battre, mais j'ai pas de flèches. Vous savez quoi, on va faire un truc, je vais mettre un marqueur ici. Comment on met des marqueurs déjà ? Là. Et ici, je sais qu'il faudra que je revienne lui baiser sa mère pour vous faire bien fermer vos gueules. On continue d'avancer. Oh, trop marrant, Azora. Bonjour. Ah. Ya, yeah, vous, enfin. Wouhou, par ici. Mais c'est que faire de ça en fait. Un Hylien, c'est un Hylien. Vous êtes bien un Hylien, hein? Tout à fait. Je le savais. Alors, allez voir notre prince, Sidon. C'est de la plus haute importance. Par là-bas. Et hop là. Il attend là-bas sur le pont d'Ingogo, en un mot de la Zora. J'ai pas tout compris. Alors s'il vous plaît, allez écouter ce qu'il a à vous dire. Je sais bien que c'est très soudain, mais si vous y allez, vous comprendrez. S'il vous plaît. Ok, bah je vais y aller, c'est bon. Aïe. C'est dans ma... C'est maquette ou rien à voir? Allons voir Zidon. Qu'est-ce que c'est ici? Mais comment on a plus de cœur? C'est avec les tombeaux là, on est d'accord? Enfin les espèces de sanctuaires là. C'est trop sympa ici, qu'est-ce que c'est en fait? Attendez, je comprends pas ce que c'est en fait. Ah mais il y a des monstres. Ah mais c'est pas chez moi, je m'en vais. Ah mais ça a l'air quand même d'être... Moi je vais aller là-haut là. On va aller là-haut, exact. Ok, bah je vais faire des sanctuaires là. Ah ouais, alors là, toi, tu vas pas te barrer comme ça. Alors, fais-moi le malin maintenant. Je vais te manger tout cru. Il est fou, lui. Allons là-haut. C'est pas où qu'on monte. Mais je t'avais pas vu. Je t'avais pas vu. Je regardais le chat. Merci Power Unicorn pour le sub. Pourquoi je meurs dès qu'il me touche là? C'est quoi ce délire? D'armes. Ah
Alors, on fait moi les malins là ou pas là? Oh ouais, j'ai pris un poisson en plus, alors ça, c'est plaisir. Du coup, c'est pas par là pour monter, j'imagine. Ah, quoique, hein. Casse-toi, dégage de là. On va monter par là. Oh, ils ont l'air féroces. Ils ont un beau coffre. Ils ont un si beau coffre. Oh, oh putain de merde. Ça va, monsieur? Wouh! On l'a échappé, belle, hein. Attends, laisse-moi recharger mes batteries. Dégage! C'est quoi là-haut? Je peux même pas clip. Ah bah non, les clips, je les ai enlevés du coup. Il y avait absolument rien là-haut. Mais on peut faire ça au moins. Ah ! Merde. J'ai pas assez d'endurance. Ok. Non ! Ouch ! Je veux monter là-haut. Non ! Mais... Ah, je suis bête. Ah merde, j'aurais dû faire cuire en fait. Pas un truc qui améliore mon endurance là-dedans, là? Vas-y doucement, peut-être, je suis pas sûr. Mais les champignons enduro, c'est pas ce champignon qui vous pousse près de là, hein, pour que vous préparez. Ouais, là, on aurait dû faire une préparation, en fait. Après, peut-être que la vitesse... Vous avez raison, je vais faire doucement. Attendez, je vais recharger mes batteries ici. Je vais recommencer une aventure. Non, non, je découvre en fait. Enfin, j'essaye avec vous, mais... Il faut faire des préparations avec des carottes, vigueur, comme ça. Merde, j'ai pas tout lu. Mais ok, merci. Mais ouais, je sais. Mais je fais pas assez de préparation, c'est mon problème. Mais ok, merci beaucoup. Allez, allez, allez. Ouais. Oh, regardez ce monstre là-bas! Il fait super peur! J'ai pas envie du tout de m'affronter contre lui! En train de le faire, on est en train de le faire. On est en train d'arriver en haut. Ah.
CO. Ah mais c'est là qu'on devait venir voir le Zora. Trop bien. Parfait. Tablette check, nanana, reconnu. Wouh, notre premier tour. On va pouvoir s'y téléporter. La carte de la zone a été enregistrée. Parfait. Tu joues sur quoi? Sur PS4. Oh yes, maintenant on a une belle carte là. Oh ouais, c'est si gigantesque. What the fuck? Et pourquoi on n'a pas la carte de Cocorico? J'ai pas fait la tour en fait. Là il nous manque une tour. Mais attends, mais moi j'ai envie de faire la carte de Cocorico là. Où est-elle? C'est elle là-bas là? Je sais pas. Bon, parlons d'abord à lui, on verra plus tard. Bonjour. Ah, t'es fou ou quoi? Excuse-moi d'avoir crié comme ça, mais tu m'avais vraiment filé, jeton. Moi, c'est Gruve, au fait. Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, alors? Ah, bonne question. Très bonne question, même. En fait, avec le prince Sidon et d'autres auras du domaine, hein, on cherchait un Ilien. J'étais en train de me faire une petite sieste digestive, quand il y a tout d'un coup, je me suis mis à trembler. Et je me suis retrouvé ici. J'aimerais bien descendre, mais c'est juste trop. Si seulement le prince me remarquait depuis le pont en bas. Mais, dis voir, t'es un Ilien, toi. Tu parles d'un coup de bol. Prince Sidon, j'en ai trouvé un. Je suis vraiment une plante. Il y a un ici. On dirait bien que le prince m'entend pas. Je ferais bien mieux de sauter dans la rivière et d'aller le rejoindre. Ou pas. C'est bien trop. C'est plutôt un coup à briser les arêtes, ça. Désolé, Lilien. Faut que je trouve un comment descendre d'ici. Ça risque de prendre un petit peu plus de temps que prévu pour prévenir le prince. Oh, toi, t'es con, toi. Il est où, ton pont? C'est le pont qui est là, là? C'est le pont qui a... Ah! Bah, j'y vais, on verra bien plus tard. Je vais d'abord aller dans le sanctuaire. Par contre, si je descends pas vite, je vais m'écraser là. C'est normal qu'il fait tout rouge ici. Mais j'ai peur. Link. Prends garde. La nuit de la lune de sang. Les pouvoirs de Ganon sont à leur paroxysme. Les âmes des monstres qui errent sur Terre retrouvent alors leur enveloppe charnelle. Link, prends garde. Mais moi je veux bien prendre garde, mais j'étais vraiment en l'air là. Là, il est chaud. Sanctuaire de Saoki. Oh, ça va être le moment de El Genito de... Ah bah bonjour. De faire son retour. Comment ça va? Formidable. Oui. Merde, c'est une meuf. Attendez. Allez, vous voulez que je vous ressorte la voix de la meuf là? Est-ce que je l'ai encore? Ouais, c'est bon.
Allez, je vous la fais. Formidable! Vous êtes bien réveillé, n'est-ce pas? Parfait! C'est mon jour de chance! Oh, pardonnez-moi mon enthousiasme! Je suis Pouréa, du peuple Zora. Je suis justement à la recherche d'un Ilien, tel que vous. Depuis quelque temps, il se passe des choses étranges dans notre village, le domaine Zora. C'est pour ça qu'avec le prince Sidon, nous recherchons un Ilien assez fort pour nous aider. Oh! Le prince Sidon est au pont d'Agogo. Vous allez bien aller lui parler, hein? Qui sait? Peut-être qu'avec celui qui... Peut-être que vous êtes peut-être celui qui nous aidera. Ouais, peut-être, ouais. Mais moi, en attendant, j'ai ça à faire. Cette fameuse voix. Ça faisait longtemps! Ça faisait un bail. Let's go. El Genito, c'est parti. On y va! J'espère qu'on va pouvoir le faire en tout cas. En vrai, les VF du jeu, je les trouve pas ouf, moi. Je trouve les VF très fades. Pourtant, j'adore la VF en général, mais là. On dirait Mickey un peu. Ah ouais, totalement, c'est vrai qu'on dirait Mickey. De fou. Ok, donc ça, c'est les trucs où. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Sao Koui. Te mets à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Ça, c'est un sanctuaire, va falloir qu'on réfléchisse, qu'on fasse marcher notre caboche. C'est parti. Allons-y. On va bien voir ce qui s'y passe. Oh non. Qu'est-ce que. Attrape! Ah d'accord. Oh non, ça pue ça. Wouah! Ok, on va en manger des pommes là. Mange, 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 mange. Oh oh. Oh non. Ya! Ya! Attention, Link! Arrête de me poursuivre! On va remanger une pomme. Hein. On a plus du tout de. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Bon. Très bien. Je sais pas ce qu'il fait avec ça. Ça me fait pas peur ça. Il va vraiment se battre avec une fourche. Mais bien sûr. Par contre on a pas beaucoup d'armes et ça m'ennuie un peu mais bon. Merde. On a plus de pommes. Merci du follow, ça se dit pas trop, non? Merci pour le follow. Nique ta mère, planche. Ça va, ça te va ça aussi ou comment ça se passe?
Merde, ma fourche! Attrape! Ok, il me reste un bâton, on verra bien. Allez, nique sa mère, on verra bien. Mais arrête, viens ici. Oh oh, oh j'aime pas trop ça. J'aime pas ça du tout. Oh mon dieu. Wow. 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 Oh non. On était tellement près. J'ai envie de refaire, je sais qu'on peut y arriver. On a juste pas beaucoup d'armes quoi. Bon. On va commencer. Ah mais du coup j'ai pas récupéré. Ah si ma fourche et tout, c'est bon. Ok. On va commencer par les les fourches et tout, et on verra plus tard. Faites entrer votre monstre là. Ok, c'est parti. Ah, oh, ils m'ont pas rendu mes pommes. Ah si. Ok. On va utiliser le bâton maintenant. Putain, si on avait les dynamites, ça serait trop bien. Maintenant, 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 vite, 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 vite. Merde, fais chier. Ah, enculé. Merde, on a déjà plus de pommes. C'est tout ce qui nous reste là comme arme. Merde! En vrai, on a pas assez d'armes. On peut le battre, mais j'ai pas assez d'armes, quoi. Je reviendrai. Si ça passe. Non, non, ça passe clairement pas. Non, pas l'abandon, on va revenir. Ton bouclier peut servir. Je suis pas sûr. Bon, allons voir le King là d'abord. Et on verra après. En fait, déjà, il y a un truc qui me stresse. C'est que là on a la map, alors que là à Cocorico et tout on y est allé et on n'a pas les maps. Et ça me stresse un peu. Parce que bah ça veut dire qu'on a, on a foiré des trucs quoi. C'est lui le King là? Hé hey, toi là-bas.
Ici! Je suis ici! Tu es un Illien, pas vrai? Viens un peu par ici, il faut que je te parle. Hey. Hey. Non, j'en avais pas maquillé pendant les cinématiques, mais là c'est des petites cinématiques, donc en fait elles vont me servir à faire les miniatures, donc s'il y a ma sale gueule dessus, c'est dommage. Oui, c'est bien ça. C'est bien ce que je pensais. Tu es un Illien. Ah. Mais je manque à tous mes devoirs. Je suis Sidon, prince des auras. Comment t'appelles-tu? Donne-moi ton nom. Je m'appelle Link. Link? Link! Ça sonne bien. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. En tout cas, j'aime bien. Pour tout te dire, cela fait déjà un moment que je t'observe. Cette allure, cette aura extraordinaire qui émane de tout ton corps. C'est bizarre, lui fait peur. Link! Tu es un puissant guerrier, Illien, n'est-ce pas? Oh, n'exagérons rien, là je viens vraiment de me faire défoncer la gueule juste avant, donc... Allons, pas de fausse modestie. Je sais ce que je dis. Je suis le prince des auras, après tout. Bah excuse-nous, frérot. Mais il est fou, lui. Mes yeux ne me trompent pas. Bien, c'est parfait. J'ai longtemps cherché quelqu'un dont la simple aura serait un gage de force. Quelqu'un comme toi, Link. Le domaine Zora est menacé par des pluies diluviennes, provoquées par... Ouais, c'est quoi vos prénoms, les gars? Varuta, la créature divine de l'eau. Nous avons besoin de toi. Aide-nous. Acceptes-tu de venir au domaine Zora? Oui. Oh, vraiment? Merci, Link. Je ne m'étais pas trompé à ton sujet. C'est comme si le domaine Zora était déjà sauvé. Rends-toi vite à notre village. À cause de la pluie, il est impossible d'escalader les falaises. Mais en suivant ce sentier, tu arriveras au domaine. Vous, autres Illiens, ne pouvez pas remonter les rivières, alors le voyage sera sûrement périlleux. Les monstres manipulant l'électricité, qui se trouvent un peu plus haut, risquent de te donner du fil à retordre. Courage! Ah, j'oubliais. J'ai quelque chose à te donner. C'est un petit quelque chose pour t'encourager. Ok, merci monsieur. Ce remède augmente la résistance à l'électricité. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un remède Illien, mais... Il ne marche pas très bien sur nous, les auras. Par contre, je pense qu'il sera très efficace pour toi. Je vais partir devant pour m'assurer qu'il n'y a aucun danger. Je compte sur toi. Salut! Plouf. Pourquoi tu prends une voix de mogol pour faire sa voix? Vous trouvez que c'est une voix de mogol? Vers le domaine Zora. Eh ben voilà, on a une nouvelle mission, trop bien. Mais je retournerai bien là-bas quand même. Je retournerai bien là-bas trouver... Ah bah je vais me téléporter en fait. Téléportation! J'aimerais bien trouver des petits... Là, je sais pas si ça vous dit, de toute façon, dans tous les cas, on va le faire. Mais on va faire les petits sanctuaires. Comme ça, on va un peu se développer parce que là, vous m'avez fait peur à me dire, ouais, t'as pas de niveau. Non, en vrai, j'aimerais qu'on soit plus fort. Et pour ça, faut se développer. Mais par contre, en fait, elle est où la grande tour, du coup? Il y a forcément une grande tour que j'ai pas calculée. C'est ça, là-bas, là? Ah, mais il y a des grandes tours là et là-bas. Ça doit être elle. Attendez, on va mettre un marqueur. Je peux pas mettre de marqueur de loin. Ah ouais, attends, mais what the fuck. On pouvait mettre des marqueurs avant. De loin. Salut Link. Comment ça va toi? Ah oui, d'accord. Ah oui, putain, faut qu'on fasse des photos, c'est trop marrant. Allons-y. Faut qu'on s'améliore. Il faut qu'on devienne plus fort. Déjà, on va aller dans ces ruines. Il y a forcément des épées là-dedans. Les griffes influenceurs, de ouf.
Non, ça me pète les couilles. Est-ce que je vous ai appelé, vous? Déjà, il nous faudrait des flèches. Je pense que ça serait pas mal d'avoir des flèches un peu. Pourquoi il le lance pas quand je lui dis? Ah ouais, mais ça casse pas la chose. Y'a pas des trucs ici? Ah ouais, ça faut qu'on prenne de ouf. Le mec il se croit dans Warzone. Bouclier rouillé, ok. Ok, y'a rien d'autre ici. Y'a forcément des petits trucs qu'on cachait quoi. Vous n'aviez pas remarqué ce livre jusqu'ici. Rappel des emplacements des coffres contenant les 8 trésors dérobés au château d'Hyrule par Lambda. L'ancien masque maudit repose dans les ruines où se réunissent les soldats et d'où l'on peut voir l'étang de Komolo. La verte ver... Oh mais attendez, ça c'est... Merde, comment il s'appelle, le mec qui était en prison là dans Wind Waker. Qu'on a sauvé là. C'est sa tenue là dont il parle. Comment il s'appelle? Merde, je me rappelle plus. Tingle! Non! Attendez, si? C'est Tingle, vous êtes sûr? Ok. Attendez, Tingle, c'est pas en anglais? En français, il s'appelle Tingle aussi? Je me rappelle plus. Sûrement. Bon, ça, c'est sa tenue. Du coup, dans les ruines où fleurissent les Nagos. Dans celle où croupissent les mauvaises gens. Je vais tout lire, mais... Est-ce que c'est des infos qu'on va garder? Ah oui! C'est des infos qu'on va garder. Ok. Merde, arrête de lire! Stop, arrête de lire! Ça, c'est des trucs qu'on a là, en fait. Genre, si je mets ça, on va pouvoir y aller. Ok, très bien. En vrai, ça pourrait être cool de faire ça un jour. Ça fait peur tous ces bruits là. Mais c'est horrible! Ça fait peur ça. On va prendre les ailes parce qu'en vrai je sens que ça va me servir ça. C'est le DLC. C'est pas grave si c'est le DLC. Si? C'est grave? Moi j'aimerais bien la moto là, je sais qu'il y a une moto dans les DLC. Je t'avoue que ce serait mieux que notre cheval. Hein. On dirait les bêtes de... Je connais pas. Ok, je sais plus où, par où on allait. Oh non merde, quelle erreur. Oh là, chez moi vous. Merde, on a perdu la tour. Oh non, il pleut. Quand est-ce que tu continues The Last of Us? Je sais pas, on va reprendre un rythme normal, je pense, la semaine prochaine, on va continuer. Waouh! Ah oui, d'accord. Alors là, super, on voit déjà plus rien là. Non, oh, je suis perdu. Oh, il y a des flèches. Oh, alors ça, c'est le feu. Hein. Bon, il nous faudrait un espèce de sanctuaire déjà. C'est pas grave si on n'a pas la grande tour, mais au moins le sanctuaire. C'est une grande tour ça. Une grande tour. C'est sûrement la tour qu'il nous faut. Allons-y. Ah bah! Bah parfait! Trop bien ça.
Je pense que les sanctuaires comme ça, on va éviter de les faire en stream. Là, on en fait parce qu'il y a une... Waouh ! Parce qu'il faut en faire, mais en vrai, je pense que je vais les faire tout seul dans mon coin. Je pense. Comme ça, ça évitera qu'on perde du temps et on pourra se concentrer sur l'histoire. Parce que c'est la limite du farming, quoi, donc c'est un peu chiant. Ok. Bah le DLC 2 fait partie de l'histoire, ok. Ok, faut juste que je me laisse guider par le vent en fait. C'était rapide. Hein. Dommage, c'est cool les sanctuaires. Non, mais on en fera quelques-uns en live. On pourra même faire des lives full sanctuaire, tu vois. Je m'en fous. Mais c'est juste que dans les lives où on se concentre sur l'histoire, comme là où on a fait le Zora, tu vois, bah c'est dommage. Il était si rapide. Trop dur ce sanctuaire. Bah alors là... Waouh. Dis donc, y a pas un monstre horrible à battre là. T'as raté le coffre. Oh non. Ça dégoûte. Bon, je vais y retourner du coup. Attends, ça dépend. S'il y a que de l'ambre dans le coffre, je m'en bats la race. Je pense que c'est un truc comme ça en plus. Je le sens. C'est pas grave. On va continuer et aller jusqu'à la tour. N'oublions pas notre objectif, c'est de développer la map. De Proki. C'est si loin. Oh, monsieur. Bonjour. Vu le monde dans lequel on vit, c'est toujours difficile de savoir ce qui nous attend. Mais là, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. T'es qui, toi? Je te connais pas. Bah, peu importe, en fait. J'en ai marre de parler tout seul, alors ça me fera pas mal d'avoir un peu de compagnie. Dis-moi, t'as vu ces trucs qui sont sortis de sous terre? Je te parle pas des truffes, hein. Je te parle des tours, là. Il paraît qu'il y a un peu partout, maintenant. Et c'est pas tout, les sanctuaires qui étaient complètement inactifs depuis des lustres se sont mis à briller. Tu sais ce que ça veut dire? Que la fin du monde est proche. Du coup, je garde un œil sur ce machin, là. On sait jamais, il pourrait se remettre à bouger. Bah enfin, le gardien, tu connais pas l'histoire de Hyrule? Tu le vois là-bas? Le machin qui ressemble à une urne. Je me suis déjà fait pour chasser par l'un d'entre eux, tu sais. Quoi? Mais il est vivant alors? Non, c'en était un autre. C'était vers le château d'Hyrule, juste avant le bosquet. Quand ces machins repèrent une cible, ils la visent avec un pointeur rouge. Et là, pas moyen de discuter. Quand ils te poursuivent jusqu'à la mort. J'ai cru que c'en était fini de moi, mais... J'ai quand même pris mes jambes à mon cou et je me suis caché dans le bosquet. Tu crois que c'est mes réflexes qui m'ont sauvé? Sûrement pas. C'est vraiment un miracle que j'ai pu rééchapper. Bon bref, on s'en bat les couilles, c'est un menteur quoi. Casse-toi. On s'en bat les couilles. Par contre, le gardien, j'aimerais bien aller le voir. Mais bon, on va aller à la tour. Ah bah, il y en a un là, c'est parfait. Et bah voilà, des petites vis antiques là, on va lui ramener à la vieille. Merde. Hop là, de la viande de volaille. Alors ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. On a tellement pas d'endurance, ça me rend ouf. Eh hey, vous là! Venez vous battre! Allez.
C'est pas avec vos armes que vous me faites mal. J'ai peur. Attendez, j'ai plus d'armes. Hop, je vous prends des gros bâtons parce que j'ai plus d'armes, moi. Non, mais arrête de... Mais il est fou, lui, hein. Chris qui agresse des pauvres ouvriers pendant leur journée de travail. Je dirais pas ouvriers, mais... Ou alors, on n'a pas les mêmes ouvriers, quoi. Hop là! Une opale brute. Incroyable. Trop bien. Je suis refait. C'est faux. Bon, bah y'avait rien là-dedans. Ma tour, elle est où, là? Mais il pleut, mais on est en Bretagne ou quoi, là? Là-bas. Je suis jamais arrivé là-bas à temps, moi. Oh non, mais qu'est-ce que je fous là, putain de merde. Allez, 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 allez. Oh yes. Oh putain. J'ai vraiment cru que j'allais me noyer. J'ai l'impression d'être un vieux fermier qui est parti à l'aventure là. Zelda doit s'ennuyer. Tu m'étonnes. Je mets tout mon temps à venir. On y est presque. On y est presque. À terre. On fera cuire la bouffe après. C'est un méchant que je vois là-bas. Mais s'il y a un méchant, il y en a 12. Tout seul, trop bizarre ça. Ah non, mais voilà. C'est bien ce que je me disais. Mais ça pète quand ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Merde. Il a une épée! Donne-moi ton épée! Tu vas me donner ton épée tout de suite! Mais ça pète quand? Wouh! On a failli mourir, hein? Attendez. C'est une blague, ça pète quand c'est fini. Ah ouais, il avait une épée de soldat quand même, ce fils de pute. Ok. Mais c'est tout? Ah non, il y en a d'autres là-bas. Attends, mais c'est un village ou quoi là? Tu veux m'affronter, toi? Donne-moi tes flèches. Est-ce que ça s'allume, ça? De toute façon, il pleut, donc à vrai dire...
Il va où lui? Eh, hey, vous faites quoi à courir là? Vous allez où? À terre! Oh, il y a une grosse épée là! Merci beaucoup Erdi pour ton sub! Tu gères! Il fait quoi lui là-haut là? Hop là, on prend cette grosse épée. Oh là, de la petite viande là, on va faire brûler des trucs. Merci beaucoup Benoît pour ton sub, incroyable, là vous faites plaisir. Du coup, mais il n'y a pas de feu en fait, là il pleut. On peut rien faire cuire. On y est à notre tour. Cette chemise. Ça va prendre du temps. C'est pas grave, hein, moi j'ai tout mon temps. Bon, je commence à avoir faim, on va pas se cacher. Non! Oh non, j'ai été impatient. J'ai pas mangé aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai faim. Allez, courage mon petit Link, on y est presque. On est si proche du but. Non, merde. Bon, on va patienter. Tu en es où dans l'aventure? On est au début, on est arrivé, on doit aller au domaine Zora pour la première fois là. Oui! Ah, les musiques par contre elles sont incroyables. Et ben voilà, déjà ça me paraît plus logique là. Voilà, ça avance. Bon, est-ce qu'on a un petit sanctuaire dans le coin ou pas là? On a un là-bas. Est-ce que c'est la direction dans laquelle je voulais aller? Ah, oh, pas vraiment. En fait, j'aurais aimé retourner vers le village d'Elmite pour activer la tour en fait du village d'Elmite aussi. Mais du coup, c'est par là-bas. Mais non, c'est par là-bas. C'est derrière la montagne, en fait. Ah ouais, c'est derrière la montagne. Merci beaucoup, Silver. Ok, bon, on va aller au sanctuaire là-bas, là, du coup. Merci beaucoup, Silver, pour ton sub. Manel qui offre un sub, merci beaucoup Manel. Ok, du coup on va avancer par là-bas. Oh, c'est trop bien par contre là, le jeu, ça y est, il commence à avancer, là. On se développe. Ok, donc c'est par là-bas, c'est à droite.
Ah, c'est derrière la montagne, quoi. Quelle horreur. Non mais arrête toi, arrête tes conneries, arrête. J'aimerais pas tuer tous les boucs de la ville, mais quand même. Ah, on aurait peut-être dû passer par Cocorico en fait. Attendez, par contre j'ai perdu le sanctuaire où j'étais censé aller là. C'est magnifique, hein. Ce jeu est beau. Hein. Mais merde, il est où cette merde? On a perdu le sanctuaire. Ah putain, il nous faudrait un cheval quand même. Est-ce que le cheval qu'on avait aimé tout à l'heure, il va venir ou pas? Pas du tout. Pourquoi tu prends pas un cheval? Ben j'en ai pas. Voilà. J'ai pas de cheval. Oh. Il est beau lui. Ah bon, ça. Allez mon pote, on y va. C'est quoi qui fait ce bruit là? Ah, c'est ce malade. Merde, j'ai plus de flèches. Bon bah au revoir, hein. Ah, le sanctuaire, il est là. Vas-y mon petit gars là. J'espère qu'il va m'attendre. Hein. Est-ce qu'il peut aller dans l'eau ou pas? Ah, il a pas l'air. Hein. Bon, attends-moi, j'arrive. Qu'est-ce que... Qui me jette des cailloux? Aïe! Aïe! Mais je vais mourir! Ah non, mais là c'était sûr, on me lance des cailloux aussi. C'est la première fois que tu joues à Breath of the Wild? Oui. Oh non, sérieusement? Tout ça? Je suis abattu. Le compteur. Bah c'est pas vraiment une mort ça. Y a pas eu cri, y avait marqué game over, y a pas marqué t'es mort. Ça, on avait expliqué au début que ça comptait pas comme des morts, ça. T'as directement acheté le DLC? Ouais. Tu pourrais appeler le poney Yuko? Non, c'est trop moche. Enfin, j'espère que ton chat ou ton chien s'appelle pas comme ça, mais... Oh non. Tu restes pas là, toi. Bon, bah, c'est parti, hein, on refait tout le chemin. C'est si loin, à pied. Si loin.
Oui, je compte finir le jeu en live, oui. Sinon, ça n'a pas de... Ça n'a pas de sens, sinon. Par contre, il est si beau, il est magnifique. C'est là qu'il y avait les chevaux tout à l'heure. Ils sont plus là. Ah, ils sont plus là. Genre, il m'a vu de là-bas. Il est fou, lui, ou quoi? Attendez, il a une vision de d'aigle, ce mec. Attendez. Tu vas en faire pas mal de live avec ce jeu. Ah bah, ça, c'est sûr. Merde, attends, il est où, le... Il est en face, ok. Mais attendez, comment je fais pour y aller, en fait? Il y a un bateau, C'est sûr, il y a un bateau, en fait. Attendez. J'avais vu un bateau, je crois, mais... Ou alors, il faudrait que je saute de là-haut et que... Et que j'y arrive... On va faire ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Fais-moi le malin, là. Chaque cheval va avoir un nom différent. Il a des jumelles, si tu veux finir. J'ai pas tout lu. Mais merci, hein. La 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 la, j'arrive au sanctuaire. J'ai failli backseat. Quelle erreur. Après, par contre, comment je repars de cette petite île de merde? Je vais rester bloqué s'il n'y a pas de bateau. Ah bah non, j'ai juste à me téléporter en fait. Ouais, c'est vrai, c'est grave RP de faire ça. Ok, vous êtes prêts, c'est parti. Calme-toi, toi. Let's go! C'est si beau ici! Merci beaucoup, Rildo, pour ton sub Twitch Prime. Dis donc, qu'est-ce que tu fais là? N'abîme pas mes fleurs! Mais t'es qui, toi? C'est qui, cette meuf? J'ai planté des fleurs tout autour du sanctuaire. Fais attention à ne pas les piétiner. Genre comme ça? N'abîme pas mes fleurs. Tu leur fais mal, je les entends pleurer. Il arrive quand ton nouveau setup? Quand les marques avec qui j'aimerais travailler acceptent. Attendez, mais c'est un labyrinthe, il y a déjà une épreuve de merde là. Mais il y a une fourche là. Combien de fois devrais-je te le répéter? Fais attention à mes fleurs. Oh, je les ai pas touchées, tes fleurs! Tu vois ton bateau, je vais te le voler après. Mais quelle idée de planter des fleurs ici déjà là! Le live reste dispo combien de temps après en rediff? Toute la vie, parce qu'en fait j'en fais un temps fort pour que vous puissiez regarder les rediffs quand vous voulez. Donc ça reste très longtemps. Suivre les flots, sanctuaire d'Hiroira. Quelque chose me dit que j'aurais dû congeler ça. Tu peux pas escalader? Oh merde.
Qu'est-ce que... Merde, vite. Ouh. Ok. Ils vont revenir, eux, ou... Oui. Ça me paraît assez facile. Mais du coup, il y a des championnats du monde où il faut pas marcher sur les fleurs. Oh, sûrement. Hein. Ouh. Coffre. Où ça? Attendez, j'ai loupé un coffre. Ah, là-haut, peut-être. Ah non, juste là en fait. Arrêtez de dire juste coffre, fermez vos gueules et dites des vrais mots, des vraies phrases. Juste un mot, ça me sert à rien. Des flèches de glace. Ok. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Merde. Ok. Est-ce que les bombes que j'ai, ça marche? J'ai oublié. Ah merde. Ah! Oui, ça marche! Merci, je sais à quoi sert une flèche de glace. Là, ce qui me tue, c'est qu'il y en a, ils ont vraiment découvert Zelda avec ce jeu. Et du coup, ils sont là, ah non, mais flèche de feu, c'est pour faire du feu, en fait. Et flèche de glace, c'est pour congeler des trucs. Merci. Je le sais depuis Ocarina of Time. Mais laissez-moi me battre au moins! Grosse pute. Hey, regardez, le sanctuaire a changé de couleur! C'est joli! Je suis sûr que c'est parce que mes fleurs lui font plaisir! Ouais, c'est ça, grosse pute. C'est sûrement ça, ouais.
Comment je vais emprunter son bateau là? Tiens, attends, tu vas voir tes fleurs. N'abîme pas mes fleurs, tu leur fais du mal. Je peux pas prendre son bateau. On est coincé sur cette île avec elle. Allez, allez, allez. Allez, un tout petit peu, on y est presque. Vas-y. Oui. Au revoir. Et bon courage, hein. Salut. C'est bon, on est libre. On peut naviguer. Bon bah je sais pas où on va, mais direction le destin. On est arrivé. Alors, bah nous on allait là-bas, donc vraiment c'est pas à côté quoi. Attendez, je sais ce qu'on va faire. Parce que je suis pas derrière des cons. Au final, le bateau il nous a servi à rien. Au final. Mais c'est pas grave. Au moins, on a été RP, c'est cool. Je suis nouveau et du coup je sais pas si t'en es. Zelda, mais j'ai fini le jeu, je pourrais te donner des conseils. Et bah je laisse les modos t'expliquer comment faire. Et si tu fais pas de bêtises, on est bon. Si je regarde dans cette direction, c'est la bonne direction ou pas là? Le territoire où je veux aller, c'est par là-bas. C'est une sacrée montagne, je pense qu'on n'arrivera jamais à l'escalader. Pourquoi je suis allé là-bas? C'est sûr qu'on va pas réussir à l'escalader. C'est sûr. Je sais même pas pourquoi je suis allé là-bas. Ah, quoique, en fait, c'est faisable. Finalement, peut-être. Allez, vas-y, vas-y, un tout petit peu. Encore. Yes, c'est bon. Hop là. Il n'y a plus qu'à escalader. Pourquoi j'entends des monstres? Il n'y a quand même pas des monstres. Oh bah si. Hop là. Ouh. On va prendre notre épée par contre. Hein. On passe à là. Attention, Link. Et bah voilà, on a réussi. Du coup, il faut qu'on trouve une grosse tour dans le coin, là. On va monter en haut. C'était pas savoir si ça gèle, c'était une question, tu m'as grondé. Oui, ben, c'est pas grave. Tu vas t'en remettre, hein. En même temps, vous posez des questions sur... Mais non, c'est moi. Vous posez des questions sans point d'interrogation, du coup, bah concrètement, c'est pas des questions, mais c'est pas grave. Attendez, par contre, ils vont me poursuivre combien de temps, eux, là? Il y en a combien, ici, des trucs comme ça, là?
Mais on est où là? Mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on branle? Poussez-vous! C'est la bonne direction au moins? Ah, c'est pas la bonne direction du tout qu'on est en train de prendre. Ah, la bonne direction c'est vraiment là-bas quoi. Ah, j'avoue qu'on est un peu perdu hein. Mais c'est pas grave. Voix de l'anel. Ah. Ah bon? Ok. Eh ben continuons, on va bien trouver une grande tour à un moment. De base, tu voulais aller où? Je voulais aller là. Mais on aurait dû aller à Cocorico, ça aurait été bien plus simple. C'est pas grave, on va continuer d'avancer. C'est un chemin ça? Ça ressemble un peu à un chemin. Mais c'est un chemin là en dessous. Attends, mais c'est pas dans les photos ça? Ça. Ah non, t'es pas. Bon, continuons d'avancer. J'avoue, au moins tu visites. Ah bah ça c'est sûr. Ah bah là au moins on visite hein, y'a pas de soucis hein. J'ai une question, faut encore sauver la tour et y'a Ganondorf comme dans Zelda avec le loup ou pas? Ouais, dans l'idée c'est ça hein. Oh non, j'avais pas prévu de voir des monstres moi. Si c'est là, si c'était ça, si c'est ça. Ah ouais? Vous êtes sûr? C'est ce truc là là? Et j'en fais quoi du coup? Je fais une photo? Je comprends pas ce que je dois faire avec. Parce qu'en fait j'ai pas compris ce qu'on devait faire avec les photos. T'inquiète, tu vas comprendre. Oh, il y a une aura bleue. Il y a une aura bleue? Je comprends rien. Il me semble qu'il y a une lumière à l'endroit normalement. Et bah là, il n'y a pas là. Chris, il y a une aura bleue quelque part. Il faut prendre des photos. L'aura est par terre. Bon, les gars, à part des flaques et de la boue là pour l'instant. Je vois pas trop d'aura bleue hein. Ça devrait se voir un minimum. Regarde au sol. Ouais, je regarde mais bon. Allez, on va continuer par là pour voir s'il y a un truc par là-bas. Il y a un mec là. Vous êtes sûr que c'est là? Ça s'est passé il y a environ un an. Je marchais de nuit sur une route des environs et j'ai aperçu une lumière. Quand j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai vu flotter un objet bizarre et brillant. J'étais paralysé. L'instant après, je me suis senti enveloppé d'une instance lumière et mon réveil, j'étais dans mon lit. Qu'en penses-tu? Ah, d'accord. En fait, il m'est arrivé quelque chose récemment. J'ai cru entendre une voix étrangère m'appeler. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un lit totalement inconnu, dans une pièce vide. J'observais la pièce, il y avait un coin, un appareil bizarre et brillant. Je l'ai touché et j'ai éprouvé une sensation qui m'a apparu familière. Quand j'ai repris connaissance, je me trouvais ici.
Qu'en penses-tu? En tout... Oui, tout cela est en rapport avec toi, prodige Ilien. Prépare-toi à mourir. Quoi? Mais non, mais putain, mais j'ai pas le temps, monsieur. Au revoir. Oh, puis merde. Tu veux qu'on se la mette? Ok, pas de soucis. Viens, mon pote, maintenant. Merde, j'ai raté mon coup. Il va s'approcher de la bombe et au moment où il est à côté de la bombe, je le fais péter. C'est le pire combat. Oh, oui. Ça lui a pas fait grand chose. Merde, il est où? Raté. Ok. Bon, ok, on a des rubis et des bananes, très bien. Bon. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas d'aura bleue, hein. Putain, on a lu son histoire de merde pour rien, là. Moi, je pense que vous vous trompez, hein, c'est pas ici. Hein. Pour un cheval. Merci, mec, on n'y avait pas pensé. Heureusement que t'étais là, parce que ça fait une heure on marche sans se dire qu'il y avait des chevaux dans le jeu, et on s'est dit putain, ce serait bien qu'ils mettent des chevaux dans le jeu quand même. Bonsoir vous. Oh. Ouh, on a failli mourir là. Ils sont vénères eux. Waouh, wow, ça fait mal ça. Attendez, on a des armes un peu inutiles j'ai l'impression. Donc ça on va le jeter. On peut pas le jeter? Mais d'où? Bon, déjà, il y a des branches là, mon frérot. Il serait peut-être temps de partir un moment. Voilà. Yeah. Ok. On a une épée de voyageur. Ah oui, mais c'est les grosses épées. Pour l'instant, je suis pas très fan. Je pouvais pas l'acheter parce que t'étais en train de sauter. Ah ouais? Oh non, mais ils sont combien ici là? Putain de merde, c'est la pire. C'est le pire chemin, mais qu'est-ce que. Pourquoi on est venu là? C'est le pire endroit là. Moi, j'ai cherché juste une grosse tour à la base. Oh! Voilà, il y a des nouvelles qui donnent le smile. Oh, des flèches électriques. Alors ça, ça, quel plaisir. Il y a un sanctuaire dans le coin. Place centrale de l'anel. Ah ouais. Il n'y a pas grand monde. Hein. 100% il y a un coffre dans le coin, mais bon. J'aime. Attends, il est là-dessous, là, le... Il est en dessous, le voyageur, là? Non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? C'est eux, les voyageurs. Donne-moi ça, toi. Attends, faut passer derrière la cascade là? Pourquoi il y a autant de monstres dans ce coin là? Oh non, appelle pas tes potes là. C'est qui ceux-là? Oh mais il fait super mal! Ils sont super vénères, je le sens. Waouh. Mais il va... Merde. Mais je vais me noyer là.
Non! Fils de pute! Mais fuis, mais j'ai essayé de fuir. Attends, s'il appelle pas ses potes, c'est bon. Ah. Oh mince. Eh, hey, ma bombe. Faut juste que je lui enlève son arme à lui, là. Merde, j'ai pas envie de fuir. J'ai pas envie du tout là. Fuir, fuir, mais ça va pas ou quoi là? Depuis quand on fuit nous? Merde. Merde. Ils vont me faire utiliser tous mes... Mais putain! Link, il est sur un de ouf. Il est en mode, bon, bah, ça va encore foirer, les gars. Les petites salopes, venez là. J'ai pas envie de manger un rati. Je suis pas mort, hein. Merde. Là, plus d'armes. Tu vas faire quoi maintenant? Merde. Merde, 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 merde. Tant pis pour la viande. Mais je m'en branle de ça. Je m'en branle. Il va me buter! Ah, et puis tant pis. Attention, Link! Alors, c'est qui le plus fort maintenant? C'est moi. Je vais monter, je vais tous leur péter la gueule. Il est où là? Il y a un sanctuaire là dans le coin, je le vois, j'ai envie de le trouver. C'est bon, c'est bon. Ok. Ça va peut-être pas passer tout de suite, hein. Ouais, c'est bon. On continue. On va bien trouver ce qu'on cherche un moment.
Et puis merde. Après tout, je suis un guerrier. Oh oh. Meurs ! Oh merde, je vais pas pouvoir récupérer ce qui m'est dû. Bon, et après ? Faudrait que je monte tout là-haut en fait. Ça glisse. En haut de la montagne, je pense. Bah ouais, je sais. Je sais bien. Mais bon. Tombe pas. C'est bon, vas-y, c'est bon. Ok, let's go. Tombe pas trop. Non! Merde! Ah non, on est où là? C'est quoi l'espèce de truc au centre? Bon bah tant pis, on va descendre. Aïe! Aïe! Mais ça fait mal! Mais oui, mais vous êtes des grenouilles aussi, c'est la triche, ça! Bon. Ça suffit maintenant, hein? Attendez, mais ça pareil! C'est dans les photos, non? Y'avait pas un espèce de... Ah non, je confonds. Y'a juste un Korogu, mon palaras! Ça commence à bien faire cette histoire. Wouh! Allez! On continue notre chemin et puis on reviendra plus tard. Hein. On va forcément revenir de toute façon. L'anel, c'est là où il y avait les Korogu dans Wind Waker, je crois. Il a arrêté de pleuvoir. Eh oui. Non mais je sais que les Korogu c'est important, je le sais, mais là je m'en branle un peu quoi. Non, on ne va pas au bout du chemin. Tu vas voir si je vais pas y aller. Oh non, c'est quoi ça encore? Ça s'arrêtera jamais cette merde. T'es qui toi? Ah. Ok, bah il était nul.
Il était nul à chier. Il était nul. Il paraissait très fort, mais en fait, c'était une grosse merde. Voie de l'anel, accès est. Ok, bah, je sais pas où on va, mais on y va en tout cas. Hein. Tu t'améliores. Ça faisait 3 mois... Ah bah là on y est. Là d'accord. Alors, racontez-nous, princesse, comment ça s'est passé sur la montagne sacrée? Toujours rien, n'est-ce pas? Pas de pouvoir du sceau. Pardonnez-moi. Allons, madame. Vous avez fait de votre mieux. On n'y peut rien si ça n'a pas fonctionné. Après tout, la méditation n'est peut-être pas le seul moyen d'éveiller le pouvoir du sceau. Il est tout à fait possible qu'il finisse par se manifester d'une autre manière. Merci, Urbosa. Votre Altesse... Hein? C'est un peu difficile à expliquer. Voilà, je me suis demandé... Je me suis demandé à quoi je pensais quand... Quand j'utilisais mes pouvoirs de guérison. Eh bien... En fait, je... C'est lui. Il s'est éveillé. Vous inquiétez pas, princesse. Moi et les autres, on va s'en occuper nous-mêmes. Écoutez-moi, tous dans les créatures divines, prêts à le canarder. Dès que Link engage le combat contre Ganon, on fait feu comme un seul homme. Tiga, toi, tu vas au château d'Hyrule. On sera là pour te couvrir. Alors transforme-moi ce Ganon en chair à pâté! Allez, venez, madame. Vous devez vous mettre en lieu sûr. Pas question. Laissez-moi vous suivre. Je ne vous serai sûrement pas d'un grand secours. Mais... Je veux au moins rester à vos côtés. J'aime bien les gens qui disent la femme aux cheveux roses, elle est dans un autre Zelda. La femme aux cheveux roses, elle est dans un autre Zelda. Oui, bah c'est une meuf du désert quoi. C'est une meuf qui est là depuis longtemps quoi. Mais ils sont tous dans d'autres Zelda, les Gorons aussi. Hein. Enfin bref. Par contre, on a trop bien fait de se promener et se laisser porter par le vent. On n'aurait jamais trouvé ce truc sinon. Trop bien ça. Pareil le piaf. J'avoue que le piaf il est stylé de ouf. Ils sont beaucoup plus stylés que dans Wind Waker. Oh non, mais ça s'arrête jamais cette merde. J'ai presque plus d'armes, moi. Oh, mais il a l'air de faire super mal, lui. Wow! Non, non.
Mais lui, on va jamais le battre. Mais attendez, moi, je cherchais juste la tour à la base. Je cherchais la tour. Mais on peut se téléporter de là. Putain de sa mère. On pouvait se téléporter là où je voulais aller depuis le début. On voit une tour dans le coin? Elle est là-bas. C'est elle. C'est là-bas qu'on doit aller. Au moins t'as un souvenir. Ouais, c'est sûr. Ouais, non mais bien sûr, faut le voir comme ça de toute façon. De toute façon, si on le voit pas comme ça, on se suicide. Donc bon, autant le voir comme ça. Ça, je suis totalement d'accord. Ouais, au moins j'ai un souvenir. C'est sûr. Allez, allons à la tour. Sans doute Chris est fatigué. Ah ouais, je suis en train de mourir là. On a plus d'armes, on a plus rien. C'est la dèche de ouf. Ciao. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Moi, je suis Serrarcier, contremaître et architecte présent. Construction, réduction, extérieur, tout. J'ai vraiment pas envie de te doubler là. Parce que lui, il est trop content. Laisse-moi tranquille, ne me parle pas. Je vais à ma tour, c'est tout ce que je veux. Il va te vendre une maison. Ah ouais, trop bien. Attends, on reviendra le voir plus tard, parce que là, on n'a pas d'argent, mais... Tu feras quand la maison de Link? Je savais même pas qu'on pouvait avoir une maison. Il est trop utile, lui. Ok, ok. Eh bien, on viendra le voir plus tard. Tu lis le chat ou pas? Non, pas du tout. Sinon, après... T'imagines si je vous portais de l'attention, ça va pas ou quoi? Salut, tu joues pas Animal Crossing? Non, on a fait quelques lives Animal Crossing, hein, c'était sympa, mais je trouve le jeu un peu chiant. Enfin, c'est pas pour moi, je pense. Je préfère qu'on joue à Zelda plutôt qu'à Animal Crossing, perso. Donc bon. Bon là, j'ai pas envie, toi. Donne-moi ton épée et puis je m'en vais. Oh non, mais là il y a beaucoup trop de monstres. Moi je veux juste monter en haut de ma tour. Hein. On se battra un autre jour, les gars. Oh, elle est là. Depuis le temps qu'on la cherche. C'est répétitif, Animal Crossing. Ouais, c'est répétitif, c'est chiant. Je m'amuse pas forcément. Je suis pas forcément fan de la série en général. Donc bon. C'est bien aussi Animal Crossing. Bah de toute façon je me doute bien que t'aimais bien vu que tu m'as demandé si j'y jouais, mais tu feras du Minecraft. Il y a une série Minecraft qui commencera, une série de live Minecraft qui commence début septembre normalement. Voilà. Début septembre, c'est type art quoi. Non non mais je voulais pas vous déranger hein. Au revoir. Oh, y'a quoi là? C'est un souvenir ça? C'est quoi le truc jaune là-bas là?
Dans les autres Zelda, les armes... Aouh ! Sont cassables ou pas ? Non, dans les autres Zelda, c'est pas cassable. C'est t'as ton arme, quoi. Hop là. Et non, ce sera pas avec Neoxy le... Oh non, c'est horrible. On n'aura jamais assez d'endurance pour monter, là. Avec toutes ces piques. On a fait ça pour avoir une tour tout piquée, en plus, là. Tu feras un live Minecraft bientôt. Tu écoutes ce que je dis, ou... Ou pas. Oh non, pas là, pas maintenant, pas maintenant. Pas maintenant, s'il vous plaît. Attrape-toi, Link. Vite. Attrape-toi. Oh putain, yes. On a eu tellement chaud. J'entends pas bien ta voix. Ah non, mais là, il y a un autre problème. Ok. Non, attends, recharge bien tes batteries à fond. Voilà, c'est bon. Le son du jeu est fort par rapport à ma voix. Je pense pas, en vrai, mais... faut me le dire si c'est le cas. Hein. Non, ça va, le son est bon. Ok. Ah non, c'était par là. Jamais je vais aller... Attendez, on va recommencer parce que j'avais pas vu qu'il fallait tourner. Hop là. Let's go. Putain de sa mère. Ah mais j'aurais pu faire une pause ici en fait. C'est clairement ce qu'on va faire d'ailleurs. On va faire une pause ici. Ok. C'est parti. C'est très long, mais au moins on va monter en sûreté. T'aimerais faire des sons ? Non. Pas forcément, non. J'entends plus fort le son du jeu que ta voix. C'est pas normal, mais gros. Oui! Après tout ce temps, on y est. Oh yes. On a débloqué la map. Là, on a débloqué les maps sur tous les coins où on est allé. On va pouvoir reprendre l'aventure tranquillou. Attendez, il y a la blague de il meurt à la fin. Et du coup, tu es banni. Parce que toi, t'es pas mort à la fin, t'es vraiment mort tout de suite, quoi. Yes, yes, yes. Et du coup, moi j'ai. Ah, mais non, c'est mon objectif qui est là-bas en fait. Que je vois en jaune. C'est ça ? Ah non, faut que je lui rapporte à Cocorico là ? Ah oui, c'est ça qui est en jaune, ok. C'est pas un souvenir. Eh bien, c'est la fin de cette VOD.